bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver chez moi pour la deuxième partie de ce dossier consacré à l'entraînement à la maison. Alors aujourd'hui je vais vous proposer des exercices visant à travailler les biceps, les triceps, les avant-bras, exercices qui ne nécessiteront absolument aucun matériel, si ce n'est votre poids de corps, un peu de mobilier, la gravité et un soupçon de système D. Bien sûr, je vous proposerai des variantes aux élastiques pour ceux qui en possèdent. Je vous rappelle qu'à l'issue de la présentation de l'ensemble de ces exercices, je vous proposerai des schémas d'entraînement hebdomadaires en fonction de votre niveau de pratique, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Mais écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite la présentation de ces mouvements. A tout de suite. Nous allons commencer de suite par le travail des triceps avec en premier mouvement, il s'agit des dips, formidable mass builder qui va solliciter vos triceps dans leur ensemble, qui ne nécessite absolument aucun matériel. Dips que nous effectuons ici entre chaises. Au niveau technique, je vous rappelle, poitrine bien sortie, vous gainez un maximum, le dos reste continuellement bien droit, vous adopterez un écartement de main équivalent à la largeur d'épaule, ne les rapprochez surtout pas derrière le dos, ceci va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur, diminuant ainsi fortement le recrutement de vos triceps. Donc un conseil, gardez constamment les coudes orientés vers l'arrière. Dans cette position, le mouvement va consister à effectuer une descente verticale. Et j'insiste sur cette notion de verticalité, c'est-à-dire que votre dos doit littéralement frôler le bord de la chaise. Descente que vous effectuerez jusqu'à ce que vos bras et vos avant-bras forment un angle de 90 degrés, voire légèrement sous cet angle selon votre souplesse d'épaule, mais ne descendez surtout pas au maximum. Il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en vous lestant, notamment avec ce fameux sac de sport que vous aurez rempli au préalable avec des bouteilles d'eau que vous placerez sur vos jambes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de garder une légère souplesse au niveau des genoux afin de limiter la contrainte articulaire liée à la charge. Et si vous n'avez pas la force nécessaire d'effectuer cette variante, vous pouvez très bien les effectuer jambes tendues mais en appui au sol. En deuxième exercice, nous allons effectuer des pompes prises serrées qui vont retranscrire le mouvement du développé couché prise serrée, sollicitant ainsi vos triceps dans leur ensemble. Au niveau technique, on va commencer par ce qu'il ne faut absolument pas faire, en l'occurrence ces fameuses pompes diamants qui consistent à coller vos mains pour former ce dit diamant. Alors soit, c'est joli, mais totalement inutile, car je vous rappelle que rapprocher vos mains n'a absolument aucune incidence, aucun impact sur un meilleur recrutement de vos triceps. Cela va juste favoriser de généreuses douleurs au niveau de vos poignets, mais également la fuite de vos coudes vers l'extérieur, ce qui va réduire drastiquement le recrutement de vos triceps au profit de vos pectoraux. Donc pour obtenir la largeur de main adéquate, c'est très simple. Collez vos coudes le long du corps et vous l'aurez de facto. Alors il est à noter que contrairement à des pompes classiques pour les pectoraux, je vous déconseille de les effectuer entre des chaises. Tout simplement parce que cela va favoriser l'étirement pectoral, donc le recrutement de vos pectoraux. Chose qu'on ne veut absolument pas. On veut maintenir un maximum de tension sur le triceps, donc effectuez-les au sol. Et enfin, pour les personnes qui n'ont pas la force nécessaire d'effectuer cette version classique, vous pouvez très bien les faire en appui sur genou. En troisième exercice, nous allons effectuer des extensions sur bord de table, un mouvement simulant une forme de barre au front avec les coudes assez relevés, focalisant ainsi la tension sur la longue portion des triceps. Au niveau technique, les mains, écartement, largeur d'épaule, le corps est parfaitement gainé. Le mouvement va consister à effectuer une flexion des avant-bras, le corps descendant. Veillez véritablement à ce que la tête passe littéralement sous le bord de la table pour profiter d'un étirement maximum, à l'issue de quoi vous repousserez de manière énergique. Il est à noter que la position de vos coudes sur cet exercice va directement dicter votre objectif de travail. Plus les coudes seront avancés, plus vous allez solliciter la longue portion des triceps, plus ils seront dans l'axe des épaules, plus vous allez solliciter les vastes. Donc libre à vous de choisir ce que vous voulez travailler en priorité. Et enfin, pour les personnes qui n'ont pas la force nécessaire d'effectuer cet exercice, il est tout à fait possible de commencer par des extensions en appui contre le mur, en augmentant petit à petit l'inclinaison de votre corps pour augmenter la difficulté de travail. Place au travail des biceps avec en premier exercice des tractions australiennes sur rebord de table, mais cette fois-ci en prise supination. La prise supination qui va augmenter considérablement le recrutement de vos biceps. Au niveau technique, le corps est parfaitement gainé, prise de main égale à la largeur d'épaule, voire légèrement inférieure à cette dernière. Et dans cette position, le mouvement va consister à vous tracter la force de bras le plus haut possible en contractant fortement vos biceps. Alors même si à la base c'est un exercice de dos pour la première fois, je vais vous demander de ne pas vous concentrer
sur le tirage de l'épaule vers l'arrière, mais véritablement à vous tracter, vous hisser à la force de vos bras. Et enfin, il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en surélevant vos appuis, notamment sur une chaise. Vous allez voir, cet exercice est redoutable. Et enfin, pour ceux qui veulent une version plus facile de ce mouvement, vous pouvez très bien les effectuer avec les pieds en appui au sol. En deuxième exercice, un très grand classique, il s'agit des curls debout. Et pour ce mouvement, deux options vont s'offrir à vous. Première option, avec un élastique. Donc au niveau technique, hein, les pieds écartement, largeur du bassin. Vous gainez un maximum au niveau des abdominaux, la poitrine est bien sortie, les épaules constamment en arrière. Les coudes, quant à eux, seront fixés le long du corps. C'est-à-dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements de tiroir d'avant en arrière. Seuls vos avant-bras devront bouger. Dans cette position, vous effectuerez votre flexion. Et sur la phase négative, veillez à garder une légère souplesse au niveau du coude pour ne pas mettre vos biceps dans une position de faiblesse. Deuxième option, vous n'avez pas d'élastique, hein, ce qui pourrait être problématique notamment pour le travail des biceps. Sachez qu'il n'en est rien. D'ailleurs, il est temps de se confectionner notre barre maison. Hein, et pour ce faire, vous aurez besoin de deux choses. D'un sac de sport, hein, que vous aurez au préalable rempli par exemple de bouteilles d'eau, et d'une serviette. Vous prenez la serviette, vous la passez dans l'anse de votre sac de sport et vous obtenez une barre de fortune qui aura au moins le mérite de nous permettre de varier les prises de travail tout en gardant les coudes le long du corps. En troisième exercice, hein, mon grand chouchou, il s'agit du curl spider, un mouvement qui va axer le travail sur le brachial antérieur. Le brachial antérieur, hein, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps, hein, qui va non seulement promouvoir le pic de ce dernier, mais donner du gain de l'épaisseur à vos bras. Et pour ce mouvement, deux options vont s'offrir à vous. Première option, à l'élastique, élastique que vous mettrez autour du pied de votre table, ou par exemple de votre canapé. À l'issue de quoi, vous vous assirez au sol, fléchirez les genoux, genoux sur lesquels vous poserez vos coudes pour les stabiliser, pour les fixer. Et c'est cette position des bras en avant du corps, hein, qui va nous garantir de focaliser principalement le travail sur le brachial antérieur. Deuxième option, vous n'avez pas d'élastique, hein, dans ces cas-là, on va effectuer du preacher curl. Et pour ce faire, vous aurez besoin de deux choses, de votre sac de sport, hein, bien sûr rempli de bouteilles d'eau, et d'une chaise. Chaise que vous retournerez, vous utiliserez le dossier en guise de pupitre vertical. D'ailleurs, c'est cette notion de verticalité qui va nous assurer véritablement de solliciter le brachial antérieur, et vous effectuerez votre mouvement de manière un peu plus classique, en n'oubliant pas, bien sûr, hein, de changer de côté à chaque fois. Place au travail des avant-bras avec du curl prise marteau, c'est-à-dire en prise neutre, un mouvement qui va bien sûr solliciter vos biceps, mais mettre l'accent, hein, sur le long supinateur, ce muscle le plus charnu, le plus massif de vos avant-bras. Au niveau technique, hein, ce mouvement est assujetti aux mêmes consignes qu'un curl classique. Vous verrez cependant à maintenir au maximum vos avant-bras dans l'axe de vos épaules. Ne les rapprochez pas le long du corps, hein, sous peine de réduire le bras levier, ce qui aurait pour incidence, hein, de diminuer drastiquement l'implication de vos avant-bras au profit de votre brachial antérieur. En dernier exercice, nous allons effectuer du reverse curl qui, comme son nom l'indique, hein, sera effectué en prise pronation. Cette prise pronation, hein, qui va augmenter considérablement la contribution de vos avant-bras. Au niveau technique, hein, même consigne qu'un curl classique, hein, vous verrez cependant à absolument, je dis bien absolument, maintenir continuellement la main dans l'axe de vos avant-bras. Pas de poignée cassée vers le bas, pas de poignée cassée vers le haut, sinon c'est votre canal carpien qui ne va pas du tout apprécier. Et voilà qui conclut cette vidéo de présentation d'exercices pour les bras. Comme vous avez pu vous en apercevoir, les plus efficaces ne nécessitent absolument aucun matériel, donc aucune excuse pour ne pas vous entraîner chez vous et vous maintenir en forme. Bien sûr, c'est très loin d'être une liste exhaustive, hein, il en existe des tas d'autres. Et d'ailleurs, sur la durée du confinement, je tâcherai de vous en proposer des inédits par la suite. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, hein, si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Hein, Prozis, hein, qui livre d'ailleurs toujours en France, hein, qui vous propose moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et je tiens également à remercier mon sponsor Initi, hein, Initi qui est une société qui développe, hein, des applications mobiles dédiées au sport, ultra personnalisables et sous abonnement. Vous aurez toutes les infos en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, hein, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements à la maison. Surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut.